Combien coûte votre bague, monsieur? 2000 quelques euros. 2000 et quelques? Oui. Pour une bague? Oui. C'est en or ou comment? En or et en diamant. Waouh, mélangez les deux. Oui. Si vous aimez bien cette vidéo, lâchez un maximum de likes pour plus d'épisodes. Alors, bonjour monsieur Capsa. Bonjour The Game Pro. Aïe, c'est la deuxième fois dans mes vidéos qu'il passe. Donc, suite à vos demandes, beaucoup de gens ils m'ont demandé, mais le sapeur, le prix de tout ce qu'il a dit là, est-ce que c'est vrai? Il n'est pas dans l'imposture. Il est revenu, il a répondu à mon invitation. En tout cas, merci beaucoup, monsieur Caps. Merci, The Game. Voilà, je vous rappelle qu'il revient fraîchement de Kinshasa. Déjà, le voyage, ça a été? Ça a été au bled, donc ça va. Voilà. C'était un voyage privé ou voyage d'affaires? Non, voyage d'affaires de sapologie. Ah, ouais. Donc, ouais, comme moi, je suis professionnel, il compte de la SAP. J'ai signé les contrats avec Samba Bacheli et Amadou Djabi, les messieurs, les producteurs qui a produit les Wenge Musique à Stade des Martyrs. Ah, d'accord, je vois. La petite présentation, c'est tout à fait normal pour comprendre un peu ce qui s'est passé bien avant. Voilà, il fallait faire ce petit rappel. Alors, le concept, comme d'habitude, combien coûtent ces vêtements de la tête aux pieds? Et aujourd'hui, pour les factures, je vais poser vos questions, ne vous inquiétez pas. Alors, combien coûtent vos vêtements de la tête aux pieds? Écoutez très bien! Des casquettes, ça sera chaud, je vous les montrer, hein, si vous voulez. Ouais, je voulais montrer mes fatigues, donc ça sert à rien de parler. Ouais, beaucoup des internautes, ils se sont posés de questions. Non, le monsieur, il est dans la posture, c'est pas vrai. Donc, on va commencer. Non. Casquette, votre casquette, c'est combien? Casquette, c'est 300 et quelques euros. D'accord. Les chaînes, c'est 400 et quelques euros, les chaînes là. Voilà, d'accord. Ouais, les chemises, c'était à 1000 balles, quelques. Ça, c'est des relax. Ouais, vous avez la facture pour la chemise? Non, tout, c'est mes farties sont là. Pour la chemise? Farties sont là. On va l'illustrer, le monteur, il va gérer le. Il va faire le travail. Ouais, voilà. Donc. Super. Ça, le Nerbina, c'est Gucci. Ça, ouais. c'est pas pantalon, c'est Dermida, c'est le Gucci. Mm-hmm. C'est ça vaut combien? 895 euros. 895 euros, oui, juste pour un pantalon? Oui, non, pantacourt. Ah, le pantacourt. Oui. Ah, d'accord. Super. Et vos sneakers? Les baskets, c'était, j'ai pris ça en solde, c'était à 900 quelques euros, mais j'ai pris ça à 680 euros. 680 euros? Oui. C'est quelle marque? C'est Dolce & Gabbana, comme vous. Ah, ouais. Tu m'as attaqué. Ah, ouais. On essaye. Dolce & Gabbana. D'accord. Ah oui. Lunettes aussi, Dolce & Gabbana. Je suis avec Georges Sénat. Georges Sénat, les catcheurs américains là. Il y en a deux. Wow. Un en Amérique, moi ici en Europe, à Paris. Une édition spéciale ça? Oui. Ah bon? C'est combien? C'est mise en scène. Mise en scène, ça fait que ça coûte 515 euros. 515 euros? Oui. Juste pour une lunette? Oui. D'accord, super. Et on va enchaîner le petit sac. Le petit sac là, c'est. Tu 400, ça, oui, 476 euros. 476 euros pour les sacs. Oui. Stylé, j'aime bien. Et les petits colliers là? Les petits colliers là, j'ai déjà dit à l'émission passée là. Ah, c'est toujours le même? Oui, c'est toujours le même. Ah, mais les sapeurs, c'est la mise à jour. Non. Ce que vous avez porté la dernière fois, vous le remettez? Ça, c'est les bracelets à Nord. Même si, mais la mise à jour, la SAP, c'est ça, la mise à jour. J'ai changé les montres. D'accord. Ah, oui. Alors, on commence par la bague déjà. Les bagues là, c'est 2000 et quelques euros. Ah. Quoi? Pour une bague? Oui, 2000 et quelques euros. C'est quelle marque? Nord et à diamant. Wow. On est à D avec icône de la musique Koffi Olomide. Bien regardé, tu vas voir. Je vois. Oui. Super. Ça coûte. Une bague à 2000 et quelques euros. C'est pas une bague de mariage en plus. Juste pour se faire plaisir. C'est du lourd, mon frère. La SAP, ça se passe comme ça, tu vois. Comme super. Moi, je suis le con, donc il faut toujours assumer. Super. On continue. Et la montre pour finir. La montre pour finir, c'est 195 000 euros. Attends, t'es dit quoi? C'est 195 000 euros à Philippe Patek. Non! 195 000 euros. Si tu veux, Google. Attendez, s'il vous plaît. Là, vous allez très vite, monsieur. 195 000 euros pour la montre. Oui, à Nord et à Diamant. Regarde.
Mais avec vous, comment ça se passe, les sapeurs? Vous attendez des nouvelles collections pour acheter ou comment ça se passe déjà, les achats? Je suis abonné à Dolce & Gabbana. Donc, j'ai fait aussi mannequinat photographique à Roberto Cavalli. Donc, je suis formé parce que je suis sapeur. Donc, j'ai fait partie aussi des publicités. Mais maintenant, là, c'est bon. Je vais aussi faire pour l'Afrique, pour les couturiers africains. Donc, on a changé l'idéologie. Maintenant, nous, on ne s'habille pas pour faire des marketing, les hautes coutures. Donc, maintenant, nous, on fait pour l'Afrique. Voilà. Tous les couturiers africains, tous les stylistes africains, tous les sapeurs africains, on va aller à Guinée l'année prochaine. L'année prochaine, oui. Oui, pour les nouveaux stylistes, nouveaux couturiers, donc tu vois. Super, on va montrer saper comme jamais, mais pour me dédicacer, moi je suis congolais, il faut toujours dédicacer. Si je peux comprendre, donc, vous parcourez dans les quatre coins du monde entier, juste pour à cause ça. De... Ah ouais. Ah, pour ça, ah moi ouais. Je suis saper professionnel, mais icône. On peut dire c'est un métier ou comment? Oui, pour moi c'est pour un métier. Ah ouais. Pour moi. Parce que je voyage pour ça, je mange pour soi, je nourris mes enfants pour ça. Ah ouais. Donc je suis comme ça, je vis comme ça. D'accord, je vois. Donc j'ai signé contrat avec Samba Bacelli, donc pour mes dédicaces. Parce que moi je suis congolais. Je dédicace Karim Biasaka. Je dédicace aussi Sweet FM. Je dédicace aussi Suzy Koutiki. Je dédicace aussi Dolin Champagne. Donc je dédicace aussi mon vieux. Guilo Wando Mboyo et président de la République Fatih Béton, Béton, Tchèque Paris. C'est son nom ça? Oui, Fatih Béton, c'est le nom du président de chez nous. D'accord. Et bah, tu le parce que Banakini, je suis déjà rentré à Paris, donc avec des Game Pro Tchèque Paris. On est ensemble, spécial dédicace à Maître Chou Mboma. On se retrouve au prochain numéro!